C'est extrêmement décevant parce que je ne suis pas du tout convaincu par les motivations du juge et parce que ces masques vont être vendus et qu'il va être extraordinairement difficile de les restituer un jour à la nation Hopi. C'est scandaleux que les intérêts économiques priment sur les intérêts de gens qui ont été lésés tout au long de l'histoire et qui sont une fois de plus lésés dans leurs revendications légitimes. Ils considèrent que ces objets sont un lien entre les vivants et les morts. Donc ils ont une force symbolique extrêmement grande. Et les considérer comme des objets commercialisables les rend fous.